Yes sir! Bonjour tout le monde! Bonjour! On est live! Okay, bonjour tout le monde! On est live pendant 60 minutes avec Groovy Artwork. Mon nom c'est Carl. Puis il y a le Ben là. Salut Carl! Hey, pendant 60 minutes, vous pouvez poser toutes vos questions à Groovy Artwork. C'est ça. Avancer le bonhomme dans le jeu. Ouais. Moi, je suis là. En fait, c'est moi qui parle. Est-ce que ça va bien, Groovy Artwork? C'est ça la première question. C'est ça la première question. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va. Ouais, bon. Laisse Pierre répondre à la question. Comment ça va, Pierre? Ça va, ça. 2547e. Ok. 3, ça va bien. 1, une moitié. Ok. C'est qui est Luigi Bleu? C'est Luigi Vert? C'est Maggie. Faut-tu que je confirme de quoi? Ah, ok. Maillot. À quoi vous jouez en ce moment, les garçons? Hein? À quoi vous jouez? On joue à Mario. Mario 3X. Parce que moi, mon personnage est un gland. Avec la princesse. Le gland. Oh! Oh! C'est elle qu'on va chercher. On cherche elle. Okay, moi je suis prêt, en tout cas. Ben calme, moi, on peut lui poser des questions. Ben oui, il faut lui poser des questions. Ok, ça va. Allez voir. L'aventure commence. Alright. Oh my god. On est prêt. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a déjà une première question. Il y a du monde qui veut savoir qu'est-ce que vous buvez. Martin, on boit quoi? On boit de la mecta à vache. Peux-tu en reverser une différence ici d'ailleurs? As-tu déjà tout bu ce que je t'ai donné? La lampe. Ta ration. Le trou du diable, on peut le mentionner. Ouais, oui. Toi, les temps, c'est Martin. On aurait dû amener de la boisson. Ouais. Moi, je bois pas encore, j'attends que ma poutine arrive, mais je vais prendre les saisons tracteurs, c'est sûr. D'accord. Hit, check bien ça. Tout est basé. Yeah. Un. Donc, on avance à grands pas. À cause de ton dernier, Pierre. Je peux aller trop vite. Luigi Minga, qui casse au bord. Puis Martin, c'était comment Kiss hier? Explosif. Kaboom. C'est la meilleure affaire, explosif. Ouais, parce que. Si on enlève le fait qu'il chantait pas vraiment, pis que leurs tunes sont moyen bonnes, on va dire. Si tu fais fi de ça. Ouais, si tu fais fi de ça. Pourquoi ils chantaient pas? Ça, je pense qu'ils sont plus capables, là. Ouais? Ça faisait des drôles d'interventions. Il y a déjà du monde qui veut savoir où sont les prochains shows. Oh, Vince! Prochain show! Le prochain show, c'est le 12 avril au Trou du Diable. Shawinigan. À Shawinigan. D'accord. Le 20 avril, on joue à Bière et Menu à Bois des Filions. Il y a incendie, ou incident à Bois des Filions. Ça, c'est une tonne de bois dommage. On joue aussi à La Bouffe s'en vient. Yes! On va être au Metropolis le 21 juin. Dans le cas des Francopholies, ça va être le solstice. Non, le solstice d'été, ouais. Mm-hmm. Ben là, tu le dis, ça? Ben là, à un moment donné, il va falloir commencer à avoir des billets. Ok, c'est bon. On est à Saint-Jean-Baptiste, pour le Saint-Jean-Baptiste à Gatineau, le 24. D'accord. Puis on est le 27. Non. On est de même, là. Hein? Je pense que je peux pas dire les autres encore. Parce que... Ah, je suis au vocal, ok. Excusez, c'est le jeu. Ouais, c'est ça qu'on a pour le moment. D'accord. On a l'air de ce qu'on a l'air. Ouais, shake le bas. Shake. Mais on fait quoi après? Ok, faut que les bonbons ils sortent, genre. Hey, vous allez voir. C'est ça, une branlette en groupe. Ouais, incroyable! C'est pas facile! Vous nous faites vivre des grands moments, comme ça. Qui? Non, dans le jeu, qui est Mario, qui est Bowser, qui est Luigi? Moi, je savais que c'est Bran le mieux. Ok. Après, c'est lui qui a plus d'expérience. Moi, je suis le petit glaring avec les dents. Ok. Vincent, c'est Goomba. Je suis Mario, toi, t'es Luigi. I'm the big guy. Bon. Just call me big guy. Big guy. Moi, je suis l'horizontal. Oh. Oh.
Fait qu'il y a plein de noms qui sont arrivés. Fait que vous pouvez poser toutes vos questions à Groovy dans le Vault. Toutes vos questions. Puis moi, Carl, je vais aller poser au Ben. Ouais. C'est ça qu'on faisait. Ok, fait que le monde qui sont logués en ce moment sont aussi pas habitués que nous autres. C'est ça. Que je comprends. C'est ça. C'est bon, on va préciser les choses. Cherche! Il y a quelqu'un qui veut des anecdotes sur le recording de l'enregistrement de du troisième album. Henri Kitterop? Ouais. C'est pas la foi. Une question précise, là. Ben, Pat Gauthier qui a fait un exercice, il l'a écrit carrément sur une napkin sur le bord de table, puis il l'a arraché d'une shot. Pas pire anecdote. Ouais. En 20 minutes, c'était fait. Ok. Merci, Pat Gauthier. Mm. Pat Gauthier, c'est le grand chanteur, l'ancien chanteur de Raid. Qui a d'ailleurs un hommage très cool à Rage Against the Machine, qui s'appelle In the Name of Rage. Ok. Puis c'est aussi un pompier. Fait que si t'es au feu, ça se peut que tu sauves de la vie. Hey, c'est moi, ça. Sinon, ben. On a fait ça au studio Plante Verte. Ouais. À Saint-Mathieu-de-Belleuil. Full. On a eu quand même plus de temps que les autres pour le faire, parce que puisque à l'époque, c'était notre ancien guitariste Marc-André Thibert et son ami Thierry Lacombe qui. Faisait les sessions. Fait qu'on était là pas mal 24 heures sur 24. Au niveau anecdotique, la pochette a été faite par un peintre russe qui s'appelle Nikolai Koupriakov, qui était exilé au Canada sans ses papiers, puis était sur le bord de se faire crisser dehors du pays jusqu'à temps que René Dufort et Infoman s'en mêlent, puis qu'il lui a donné ses papiers. Fait que Jean-René Dufort a aidé Nikolai Koupriakov à rester canadien. Il a été en mesure de ramener sa famille de Russie au Québec à ce jour. Il n'y a pas d'histoire, hein? Non. J'ai pas l'idée de ça. 6! Sinon, on a fait de la pré-proche chez Fred Fortin à Saint-Félicien, quelques 6 mois auparavant. Puis Fred nous avait prêté son chalet où est-ce que lui avait fait gros méné. Il venait juste de finir gros méné. Puis on est allé là parce qu'on cherchait une place où on pouvait être dans la nature puis et avoir la paix puis écrire. Puis c'est là qu'on a fait le gros de la job de Richtera, grâce à Fred Fortin. Puis la première tune, c'est une attaque qui, aucun doute, vient d'une game de hockey table qu'on faisait avec Fred. Puis lui était tellement bon qu'on jouait deux contre lui, puis là, on attaquait, puis c'est Fred qui dit « C'est une attaque, qui a aucun doute! » Fait que la première tune s'appelle « C'est une attaque, qui a aucun doute » grâce à Fred Fortin. D'accord. Est-ce que c'est un bon moment? Il y a beaucoup de monde qui se demande si on va avoir des éditions vinyles et une édition digitale de votre catalogue. On a-tu le droit de... C'est-tu là? On va être là. Je pense que c'est là. C'est quoi la grande annonce? De l'album Vacuum. Bientôt! Ça va sortir pour Record Store Day. On peut-tu... Tu allais chercher la chose? Oui. Tu m'as dit la on va monter de quoi? Ça sert. Ouais. Ah, je me lèverais bien, mais je suis pas capable. Pierre, lève-toi. Non, tu peux dire qu'il n'y a pas tout encore. Yeah. Tu peux expliquer que ça, c'est la première partie que tu peux monter. Bon, Jesse m'a dit que c'est la première partie que je peux montrer et qu'il n'y a pas tout encore. Mais ça inclut toute la musique. C'est dommage que tu ne sois pas cadré. Je suis pas cadré? Non, ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est signé avec elle. Ok. Je te cadre. Wow. Faut pas gérer. Un peu. Hey! Aide-moi à faire mon info pub là. Fais-nous la lecture, moi. Ouais, ça c'est dérangeant avec pas de faute. Anecdote. Ça c'est nous quand nous étions jeunes. Ah, ils ont les liges jeunes aussi là. Hein? Tout est hey, t'en veux pas mon info-pum? Gagne en attendant. Ok, c'est à moi. Moi, je veux juste faire des affaires, t'sais. Look at this baby! Look at that! Yeah. Wow. Quand même très beau. Ouais. Quand même! Oh, j'ai ça contre tous. Fait que la réponse est là, en tout cas. Fait qu'il y a ça qui s'en vient. Carl, tu es en train de manger une poutine, toi, là? 13 avril. Ça a l'air bon. Ça s'en vient. Ah, t'es là. Oh, Deuxième disque. Avec les mêmes tunes. La même couleur, mais complètement différente. Ouais. Pas la même chose, mais pas pareil. Tu peux expliquer qu'est-ce qu'il y a sur ce vinyle-là en particulier? Ah ouais, je peux faire c'est ça. C'est quoi la musique qu'il y a là-dessus? Ok. Es-tu la même musique qu'avant?
C'est qui Luigi, hein? Ouais, c'est la quelque chose. C'est presque la même chose, sauf que c'est remasterisé. C'est quoi le en français? Taxi voiture, hein? Ça, c'est ah, ça. Ouais. Bonne question. Ouais. Rematricé. Rematricé, c'est, ça sonne pas bien. Ouais. Mais oui, on a rematricé donc. En fait, on vous pose la question. C'est quoi le terme en français? C'est quoi le terme? Ouais, ben oui. Puis on a décidé, vu que les albums à l'époque que nous on en faisait étaient plus longs qu'à l'époque des vrais vinyles. Fait qu'on a décidé d'étirer notre musique un peu pour les faire sur deux vinyles. Donc 4 tunes, 3 tunes, 3 tunes, 4 tunes. Puis pour la qualité de la chose. Fait que c'est sûr que. Qu'est-ce que. Ah oui, 180. Là, faut-tu que je plug le 180 grammes? Là, je vais dire 180 grammes. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il paraît que c'était cœur. Beaucoup plus que 180 grammes. Plus de grammes. Clairement, c'est clairement, il y a plus de grammes. Plus de grammes, plus que tu tripes. Ouais, c'est ça. La poutine, j'y ai pas avec. Chaque poutine, il y a un peu de ça. Chaque disque va venir avec un pic. Ah, oh, Groovy Hard Rock. C'est un cyclone, je crois. Un autocollant. Un autocollant, oui. Collant auto-adhésif. Et le CD de Vacuum. Comme à l'époque, on faisait des CD en 1990, man. Voilà. Jesse, oui. Man, est allé rechercher la pochette du CD direct. Il l'a refait au complet. Fait qu'il va avoir le dedans, ouais, il va avoir le CD, yeah. Il va avoir le sticker, le speak. Le 10 double, deux disques de 180 grammes. Puis le CD est remasterisé, non moins. Non moins en plus, oui. D'ailleurs, ce serait le temps de remercier M. Simon Dupuis, graphiste, pour avoir pour organiser tout ça. Puis à toute l'équipe de Slam d'avoir coordonné de façon magistrale la sortie de Vacuum, parce que ça a l'air de rien, mais c'est des mois et des mois de travail. C'est, j'ai calculé 1233 emails. Combien? 1233. C'est ça, c'est ça que ça donne. Tout ça se retrouve là-dessus. C'est fucking beau. On l'a écouté, ça sent en kiff. Ça sonne vraiment bien. Il y a même un bac. Ouais! Il y a un arrière, hein? Oui. Il y a un arrière. Nice. Avec le sympathique Rob. Je sais que les chiffres, c'est pas une science exacte, mais c'est 360 grammes finalement. Un gramme par jour. Attention, tu vas prendre les derniers. Un gramme de groupie par jour. Moins 5 jours. Moins les jours premiers. C'est ça. Ton petit gramme par jour, un gramme, ça va te garder en vie. Puis pour ceux qui savent peut-être pas, parce que c'est sûr que vous le savez pas, là, vous êtes ben trop jeune, là. Mais le gars sur la pochette, c'est Rob Dumontier qui est le. C'est le gars qui s'occupe de la porte arrière du Metropolis pour pas que les groupies rentrent quand Imagine Dragons y joue là. C'est lui qui fait en sorte que les petites filles peuvent pas rentrer. C'est toujours sa job, il fait ça depuis le début. Mais Rob, c'est un chum à nous autres, qui travaillait au Fouf à l'époque, puis il nous a gracieusement prêté sa face et son physique pour la pochette. Et d'ailleurs, il doit un disque à lui. Oh! On va y amener un au Tango, il va être bien content. Content. Est-ce que les autres albums vont sortir en vinyle? Pourquoi c'est toujours à moi, hein? Les autres albums. Parce qu'on n'a pas dit qu'on vont éventuellement sortir en vinyle, oui, absolument. Puis je pense que. Là, on a commencé avec le deuxième, on aurait dû commencer avec le premier, mais on voulait absolument faire le deuxième parce que c'est. Parce qu'on fait rien comme les autres. Mais normalement, on va sortir Haters Digest, le premier. Dans les mois à suivre. Dans les mois à suivre. Puis ainsi de suite. Donc on en sortirait 5. On sortira peut-être pas le best-of, service rendu. Mm-hmm. On sortira certainement Haters, après ça Richter Up. Après ça on va voir. Alors, on a parlé de vinyle, est-ce que ça sur digital? Absolument! Parce que... il faut. Mm-hmm. Tout ça va sortir digitalement. Le catalogue complet de Groovy, ou à peu près, va sortir en digital le 12 avril. 12 avril. Yeah. C'est d'ailleurs. Yeah. Yes! Oh yeah! Oh yeah! Qui est d'ailleurs la date de sortie de Vacuum en 96. Ça a sorti le 12 avril cette fois-là, ma fête. Ouais, je sais. Parce qu'on a fait de lancer au Spectrum le 12 avril. Et le lendemain, on partait en deux. On partait dans l'affaire pendant deux mois. Ouais. Fait que vous, la réponse est oui. Tout le monde m'emporte sauf moi. On lui fait tout pour le temps. Ben ouais, c'est ça. Ben, je tue à ce jeu-là, ça va bien. Ouais, ça fait ça. Tu vas rentrer. Le bout qui est groupé, ça, mal, c'est mal. Ouais, c'était là, il y a personne qui l'a fait. Tu peux pas jouer, Regarde, tu peux t'expliquer pourquoi faut pas tuer. Non, non, ça me tente pas particulièrement. Par contre, Martin? Oui? On va avoir besoin d'autres réfléchissements. Ben là, c'est sûr qu'on peut avoir deux la poutine en passant. Oh! What's next? Les de Mario, les normales. C'est quoi, tu vois, j'en sais plus,
C'est Mario Rouge. C'est moi ça, mais... Focus. Ah, focus. Et c'est ça pour la première fois. Vous les quatre ensemble un jeu vidéo. Vous la première fois. C'est presque la première fois individuellement. Individuellement, ouais. Martin. Ça, c'est moi, là. C'est toi, ça, hein? Ouais. Par contre, tu nous mets devant une table de table hockey, puis on est pas pire. Il y a une question de Joe Bin Picard. Je voudrais savoir si vous allez faire un show à un moment donné dans une place All Age. Joe Bin Picard. Joe Bin Picard. Ben, à un moment donné, oui, mais pas. Il n'y en a pas de prévu pour le moment. Mais All Age. Ben, des shows extérieurs puis des shows du festival, c'est All Age. Ben, Saint-Jean-Baptiste à Gatineau, ça va être All Age, c'est sûr. Juste pas d'anglophone. Ben oui, c'est sûr qu'on va faire au niveau extérieur. Je la connais! Qui est allé voir? Je suis en train de me faire menacer, moi, là. Qui dois-je trouver le bec? À la ceinture, à Saint-Cloud, moi. Il y a Frédéric Burke qui demande la place la plus cool parce que vous avez joué. La place la plus cool? Ouais. La plus fun ou la plus. Ouais. Ah, ben, parce que la en Allemagne, là, la place qu'on avait joué, le genre de. La fois que Martin a pété sa. Péter sa guitare. Hein? Mm. Une place quand même unique, ça, un endroit unique. Hein? Un son unique? C'était où? C'était pas Charfang, c'était quoi, non? C'était quoi la ville? Ah, on jouait dans une balle. Ouais, ça. La place la plus cool pour moi au Québec, c'est peut-être que Cichac. Cichac, ah ouais, effectivement. T'as fait le tour du monde? Dans Gaspésie? En effet. Mais c'est nous, ça. On a joué un bateau à Rostock aussi, c'était pas pire ça. La gig était pas cool, mais l'endroit était pas pire. C'était pas mémorable, n'est-ce pas? Non, c'était pas mémorable. Ben, c'était mémorable, mais pour plein de mauvaises raisons. Dont celle où le monde se sont sauvés quand on a commencé à jouer. Oh my god. Terrible. T'as vu, j'ai une décision à prendre, on dirait. Que tu changes de bonhomme? Moi aussi, j'ai fait ça, mais je sais pas c'est quoi. David Pétrin, tu veux savoir la pièce Ténétargique est inspirée de qui ou de quoi? C'était les Jeux Olympiques. Vince. Ça vient de la télévision, le fait qu'on passe beaucoup de temps à 100 kg devant la TV. Ça venait aussi. la première phrase, c'est la première fois qu'un extraseur arrive au salon de quai. C'est dans un endroit bien tranquille. Ça vient d'une anecdote d'Alex Jones de WD-40 qui avait, par exprès, viré sa trajectoire de balle de bord puis avait pogné le bord et la bière qui était dessus. Alex Jones a fait la destruction massive dans une allée de bowling. Ben, je m'étais servi de ça comme anecdote pour partir la toune. Après ça, ben, ça part de TV puis ça fait c'est une toune prétexte à un paquet de jeux de mots. Plus ou moins réussi. Puis il y a il y a un autre bout qui n'a aucun rapport, c'est que je défonce je défonce ma fenêtre parce que je me suis embarré dehors. Ça, c'est arrivé exactement le même. J'ai tout vite cassé ma fenêtre de mon appart sur l'oreiller de mon nez pour rentrer. Puis je me suis fait pogner. J'explique à la police qu'est-ce que je faisais. Puis j'ai eu la cave. Ça fait que c'est un ramassis de ces trois affaires-là. Okay. Avec des riffs très cool de Martin Dupuis. Hey, merci Vincent P. C'est vrai que c'était bon. Qu'est-ce qui se passe, le voir? C'est le Martin. Ouais! Le mot bien me fait rire, c'est juste que le temps est plus. Le Martin était débordé. Le seul qui passe bien, il fait. Il y a une question pour Pierre. Hein? Il y a Marie-Laurent Jacob qui demande c'est quoi ta recette de chimie. Moi aussi, je la veux! C'est super facile. Marie? Je vais te la texter tantôt. C'est super facile, c'est du persil, hein? C'est de l'ail pour verre. Hein? C'est du persil, de l'ail, puis de l'origan, du vinaigre de cidre, du vinaigre de vin rouge. Pis, ça a l'air pas sûr. Ça a l'air facile. Pas sûr, hey, Marie, mais qui texte? Texte-moi là, moi aussi, je la voulais. Hey, Marie, envoie-moi le pot. Ça a l'air facile de même, là. Mais... Oh!
T'as-tu répondu à ta Marie, moi je la texte anyway, t'as tout. Ça y est, j'ai tout fucké. Qu'est-ce qui se passe, mec? Mais je sais pas, j'ai tout fait tomber. Qu'est-ce que tu fais tomber? You run away! You run away! Qu'est-ce qui se passe? On va jouer. Bon. Go, go. T'as vraiment choisi le champignon, là? Hein? Volontairement. J'étais sur le champignon. Tiens, sur sa tête. Sur sa tête ou sur son... Case alliée. Oh! Oh, 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 oh. Ça fait quoi, ça? Ouais, si je joue case alliée, je choisis un personnage? Je sais pas, mais je sais pas ouais, ça fait. Tu vas avoir un autre personnage qui va donner un dé supplémentaire, tu vas avancer plus vite. Alright. Juste dire qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. Ouais. Il y a aussi beaucoup de monde qui veut savoir si vous allez faire des nouvelles tunes. On en a parlé, en tout cas. C'est dans l'air, mais on n'est pas rendu là. Si vous achetez tous nos disques, les 1000 albums, on va en faire une. On va y penser. On va y penser. On va commencer par un petit chorus. Non, un petit verse. Un petit verse. Bon, on est rendu à 3 ou 4. On t'a trois là. T'as trois, ouais. Ça s'en vient. Là, à quatre, mais là, on prend un petit break. On check ça. Pour le moment, on est tous pas mal occupés dans nos activités comme Mâchoire Mario, continuellement. Oh, mini-jeu, les boys. Ah non. Fait que. Ça m'angoisse. On dit pas non. On dit pas non. Oh. Mais ça avance que... comme notre jeu. Donc, pas vite. Passez la bombe. Ah, on se passe une bombe. Passez la bombe. Alright. C'est check. Oh, il y a deux bombes en fait. Ok, faut que j'en passe. Oh, yeah. Ça me fait pas le sport. On apprend vite à savoir ça. Ben ouais, ça ouais, passe. Ouais. Ça, c'est une bombe. Passe la bombe. Qu'une seule fois, ok. On a tout compris? Ça me fait pas ça. Ok, j'ai changé de personnage. Je vois le truc qu'on joint les mains. Vas-y, les deux petits boutons. Je comprenais pas pourquoi j'avais plus mon petit gland. Alright. Ok, vas-y, les deux petits boutons. On va faire le même. Luigi? Oui, je suis en. Non, mais... non, on parle des petits boutons là. Okay, non, non. Moi, je veux jouer à celle-là. C'est ça qu'on fait. Moi, je veux jouer à celle-là. Who's got the bomb? Les écrits d'une mort. Who's got the bomb? Oh, il y en a trois maintenant. Fuck. C'est bien mêlant, ça. Ah, ça va. D'un coup, tout le monde est bien focus. Hein. Ah, ouais, ah, ouais, Vince, pèse. Ouh. Ok, j'ai deux personnages, moi. Yeah, we're all done now. J'en avais du bon. Je pensais qu'un autre, moi, là. Oh. Gablo, moi, c'est. Zonks. Zonks. Moi, c'est les deux Luigi. C'est les deux, ouais. Mario, Luigi. Mario. Tu gardes toujours la bombe pour toi, Martin. Hein? Tu gardes toujours les bombes pour toi. Fuck you! Faudrait demander à Lucien, mais on a fait un bon pas dans la bonne direction au mois de janvier. On a investi une église à Joliette, l'église que Saint-Monsieur Gauvalon, puis on a passé une semaine là à écrire des nouvelles tunes. Des riffs de Jacques Racine, guitariste original. Fait qu'avec le band, on a passé la semaine carrément sur l'hôtel de l'église. Puis on est avec trois nouvelles tunes. Okay. On veut répéter l'expérience à la même église au printemps. Fait que si on peut en faire trois tonnes à la fois, on va venir par avoir un album complet. Fait qu'on est rendu là. C'est possible parce que depuis que le band est revenu ensemble en 2005, c'est la première fois qu'on écrit de la nouvelle musique. Puis Lucien est bien motivé. Lui, il aimerait ça en faire un dernier avant que ce soit trop tard. Ben, Lucien, il mine de rien, le vénérable âge de 70 ans. Mm-hmm. Alors, ça serait très cool pour lui, avant tout. Et pour les fans d'autres choses, par la suite de faire de la belle musique. Fait que on travaille là-dessus. Tranquillement pas vite. D'accord. T'as pas bien ma réponse. T'es super beau, Frank. What? Frank, that was great. Il y a quelqu'un qui se demande si vous allez jouer For Your Love à Shawinigan. Merci. Et dans le pacing. Et dans le set.
Fait que probablement, ouais. Puis on va faire la fin. C'est sûr que sur la fin, ça va être la fin. Puis en passant pour ce show-là, il va avoir de la. Ça va être un party de famille. On fête le 5e anniversaire de la boisson d'avril. Mon frère Danny Peak, drummer original, va être des nôtres. Et son garçon, Jérémy Peak, va même être des nôtres, faire une tune au drum. Il va avoir un triple peak sur stage ce soir-là. Mais maman Normande, qui est pas une peak, mais qui fait pas de musique, va être dans la foule aussi. Fait que ça va être une belle réunion de famille. Et de ce fait, vu que Danny est là, puis on est donc quatre chanteurs, parce que mon frère chante quand même très bien. C'est genre le tune qui passe, qu'on peut facilement faire, qui sonne très bien. Fait que je te dirais que 88% des chances qu'on fasse For Your Love à Shawi. D'accord. Question pour Frank. Spin the dice. Est-ce que Général K.O. est toujours actif? Oh! Actif, non. En fait, il y a presque deux ans, je crois qu'on n'a pas fait de spectacle depuis Mastery au Fouf, hein. En fait, je pense que c'est un point mort pour tout de suite, c'est pas actif, puis je ne sais pas si ça va continuer ou pas. Hein. On en est là. Ouais. D'accord. Ouais, j'ai de la chance. Que puis-je faire? Il y a Frédéric Burke qui demande votre avis sur le cover de Boisson d'avril de Bon Acte. Je n'ai que des bonnes choses à dire. C'est bon. Ça rock, hein, ça. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ben, il y a fond trad parce qu'il y a du violon, il y a de l'accordéon, ouais. ça marche au bout. Et en plus, il se promène d'un festival de mondial à la foire. Ouais, c'est ça. Ça lui donne une visibilité pour nous autres. Puis on est très chum avec les gars et les boys de Bon Acte en partant. Luc Bourgeois est une de mes humains préférés. Oui. Puis on le connaît aussi de la Madeleine. Qui est moi, quand même. Puis, tu sais. Non, mais tu sais, ils la font bien. Ils la font bien, puis ils la font avec classe, puis le band, on s'accroche. Alors, moi, j'ai aucun problème avec ça. Le 31 décembre, j'ai eu la chance de la faire avec eux autres au Vidéotron à Québec, ouais. C'est long au bout, c'est excellent, la 5 films. Yeah. Yeah. All right. Mini-jeu. Oh. Mini-jeu à 4, les boys. Focus. Fuck. En plus de popcorn, je veux faire. Et que ça saute. On vient de le faire, non? Mode solo vertical, ça c'est comme quand t'es en mode solo chez vous. Ouais, mode solo vertical. Ça c'est clair, ça a pas l'air de d'autre chose. C'est pas vrai? Il faut baiser sur le sauter. Ah, ok. Parfait. Fait sauter le. Oh shit. Oui, comme dans la recette de patchouli à clair, là. Oh my god, man. L'avez-vous, là? Oui, je suis ok, là. Bon, ben c'est pas grave, je sais, j'avais plein d'autres qualités. C'est ça, t'as fait beaucoup de choses, mais je prends des notes. Si vous voulez manger chez Jesse, amenez votre poivre. Et on est une petite équipe de bœuf, par exemple. On est-tu vraiment en train de faire ça? On est vraiment en train de faire ça. Da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni. Mingia. Laisse le Christ de petit de poids dans la boîte. Comment là? Da Giovanni. Vous mangerez le meilleur spaghetti et le plus cher. J'ai pas mis assez de beurre. Beurre? Le beurre. Il y a 100 personnes qui regardent faire ça. Ouais, c'est oui. Combien? Une centaine de personnes. Hey, mom! On a réussi. Comme dans le temps chez McDo. On sert le 369. Ah, ouais, c'est ça. Frank flippe la boulette. Il y a des gens du rock québécois. Oh, shit, j'ai perdu ma boulette. Il faut qu'il fasse, moi-même. OK, faut faire... Ah, je viens de comprendre. C'est qui, là? C'est Martin qui a le grand... T'es un chef, toi. T'es un ancien chef. Ouais, mais j'ai pas la recette de chimichurri. Chimichurri, patchouli, chimichurri? Ah, faut manquer ma chatte, hein. Ah, il lui reste une face, tiens. Chimichurri, là, j'ai le temps de focusser un peu, mais on vous le dit, c'est quoi? Ah, la présentation. C'est une botte de persil haché. 4-5 gouilles. 4-5 gouilles de sel. I'm multitasking big time. 4-5 gousses d'ail, 8 en fait, c'est en feu. 4 cuillères à table d'origan, d'origan séché. Tu mets tout ça dans la machine à chimichurri, un genre de blender. Un blender ordinaire, ça sert à rien. Ouais, hein? Je sais pas, ça pourrait peut-être marcher. Un genre de blender, en tout cas, un robot culinaire, mettons. En haut, qu'est-ce que t'es qui? Tu mets 3 ou 4 cuillères à table
de vinaigre. Je t'ai tenté de dire ma recette. Vinaigre de vin rouge. Puis tu mets. Qu'est-ce que j'ai pas compris? 4 demi-cuillères à table de. Comment ça va? Je vais te le dire. Hein? De piment broyé. Puis une fois que tu as ça, c'est plus raisé. Tu mets de l'huile d'olive tout plein, puis c'est bon. Hein? Faut que tu attendes 20 minutes. Il n'y a pas des noix. Non? Sinon, on est en train de jouer à Mario pendant que Pierre donne une recette. Ouais, ça pourrait avoir l'air bizarre, là, mais ouais, c'est ce qui arrive. Là. À Mario de jouer. Oh yeah. Une question de close-up au nez. C'est quoi les bandes qui vous inspirent? En ce moment? Les bandes qui vous inspirent. Ou dans la vie? Ouais. Mmh. C'est une question en développement, ça. Mmh. Moi, j'aime. Les Beatles, je trouve ça inspirant. Ouais, quand même. Si on part à la base, là. J'ai coupé. Oui, vas-y, Vince. C'est quoi les bandes qui t'ont inspiré? Vas-y. Les Beatles. Beatles? Ben, ça doit pas être les seuls. Frank Zappa. Zappa. Ouais. Mais Zappa, quand t'étais jeune, non. Elvis, quand j'étais jeune. Ouais, Elvis. Beatles, Elvis. James Last. Il faisait du big band, jazz, Keitel. C'est vraiment pas bon. Non, mais c'est très, très balade aussi. Il y avait des albums de James Lash chez mes parents. Ouais, c'était pas la meilleure affaire au monde. Fait que j'ai comme bifurqué vers James Lash. Je suis revenu vite avec Bill Haley et The Comets. Oh. Yes. Rock Around the Clock. Ouais. Ça y est, en crise. Mais t'étais jeune dans ce temps-là? J'ai déjà été jeune, oui. Ouais, ok. Kiss Alive 2 en 77. Mm. Oh, ouais. C'est là que le métal s'est ouvert à moi. Carrément. Et littéralement, quand tu ouvres la pochette en deux, là, peut-être ça pète, là. Ouais. Parce qu'il était allé voir Kiss hier. J'étais allé voir Kiss hier. Ben, c'était ça, man. Là, tout a changé à partir du moment-là. Van Halen, AC/DC, The Who, Led Zepp, toute la gang. Pas mal de choses. À partir de Chaume, 78-79, j'ai commencé à écouter Chaume, là, tout a rentré. Cool. Pis toi, Pierre? C'est quoi la question? C'est quoi ta recette de chimichurri? Avec quoi tu prends l'huile d'olive? Non. Non, mais t'as commencé avec quoi, Pierre? Deep Purple Burn. T'as commencé avec Burn. T'as joué? La première affaire, t'as tombé là-dessus. J'avais 6 ans. Ma soeur m'a fait écouter Deep Purple Burn. Aïe, aïe. Quand même? Buddy Rich, Burn. Entre deux joints, voyons, l'album de Charles Lebois. Charles Lebois? Cet album-là, il s'appelait comment, hein? L'album avec entre deux joints, puis... En tout cas, ça. Best of. Led Zepp 1. Led Zepp 1, Led Zepp 2. Ouais. Ça, c'était mon début, ça. À 6 ans. J'écoutais ça, j'écoutais dans la cave chez nous. Ah ouais? Ouais. C'est ça que ça te sert à voir les grandes sœurs. T'es hâte en crise, mes grandes sœurs. C'est encore là. Ben oui. Puis toi, Martin? Pierre, c'est toi qu'il faut qu'il continue pendant la partie. Merci. Okay. Moi, en fait, là, c'est à cause de mon frère, il était... Salut, frère! Mais, j'ai commencé avec mon frère était arrivé à un moment donné, là, avec d'un coup, genre, Kiss Alive 2, que j'ai pas autant écouté, mais... Ah. Van Halen, Back in Black, Number of the Beast, puis... Je sais pas quoi, là, mais tout ça d'une shot. Puis moi, j'avais 9 ans. C'est à partir de ce moment-là là, que les cheveux de l'époque avaient commencé à pousser. Puis moi, je suis tombé là-dedans pas mal vite. Puis pas trop longtemps après ça, là, j'ai commencé à vouloir écouter du hard stuff. Puis là, j'étais bien intrigué par... C'est quoi ce band-là, Voivod, que tout le monde redoute? Fait que... Je voulais savoir, tu sais. J'ai commencé à aller creuser un peu plus, là. Mon frère, il a continué là-dedans. Il écoute encore ça, d'ailleurs. Puis, profitons-en pour saluer et congratuler Voivod pour le. Oui! Il était temps. Ouais, après 36 ans d'attente. Oui, on finit la main, fait un bon album aussi. Hey, puis pendant qu'on est là, toi, Franck. Oui. Tu sais, quand t'es né dans 15 de 24 à Forestville, là. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'écoutais? En 2012. Mm-hmm. En fait, moi, ce qui m'a allumé à jouer de la guitare, c'est un petit peu plus tard, ça a été à Injustice for All, le Metallica. Oh, wow. C'était l'époque du trash de Slayer, Pantera, Metallica. Puis après, j'ai
connu et trippé sur le vieux progressif, Led Zappa, Yes, King Crimson. Mais les premiers albums qui m'ont fait tripper à jouer, qui m'ont donné envie de jouer, c'était Metallica. Ouais, wow, on a oublié de les nommer, mais je pense que ça a fait partie du playlist de tout le monde quand même. Ouais. Tant que non, je non. Veux, non. Moi oui. C'était plus quand... tard, là. Mais c'était plus tard, ouais, c'est ça. Bien plus des mes frères plus vieux, ils n'étaient pas de rock, ça. J'ai pas connu quand j'étais plus jeune. Hein. Ça a été Van Halen, Metallica les premiers, ouais. Mais quand j'ai découvert DRI aussi, ça va tout le monde, du punk et du hardcore. Puis là, ça c'est un autre univers parallèle qui s'est ouvert, puis qui est devenu à ce jour encore aussi important que tout le reste. Dead Kennedys, oui. Dead Kennedys, c'est débile. Sex Pistols, man, The Clash, puis Ramones, c'est arrivé pas tout en même temps aussi. Forgotten Rebels. I'm sipping on heroin. Luigi. Ah! Excusez. Fais voilà. Je suis comme un séance du Ben Octoplot. Je voulais savoir si vous connaissez le Ben Def Heaven. Je sais, c'est quoi Def Heaven? C'est un duo, ça? Non, c'est un Ben à 4. Sur 4? Ok, ben c'est ça, deux duos, si je disais. Ouais. C'est bien aimé, ça? Ouais, c'est du black metal. Ouais. Ben, tu vois, je connais autant que Charles. Je connais plus Octoplot que Def Heaven. Mais. Ma mère a trippé là-dessus. Ils ont joué à Maison Villebon à Belleuil la semaine passée, d'ailleurs. Ils n'ont pas été invités. C'est le duo à Fort Fox, hein? Oui. Fait que, salut, mère, en passant. On a checké un peu votre affaire que vous avez faite avec qu'on fait en ce moment à l'exemple. Ouais. C'était drôle en criffe. On va voir si je l'aurais fait. Fait que, honnêtement, pour répondre à la question, pas tant que ça. Non, je connais plus les Beatles. D'accord. Pas que c'est mieux, là. Il y a Annie de Carufel qui demande si vous avez des tunes que vous assumez moins maintenant. Salut Annie, je la connais, elle. J'ai vu son petit. Salut Annie. On assume pleinement toutes nos chansons, hein? Non. Ah non, tu sais là, tu sais genre, j'ai aucun regret là, c'est de la bullshit. Non, ben non, il y a des affaires, je lui dirai pas, des affaires que je suis moins fier. I was made for loving you, c'est pas nous autres, ça. Hein? I was made for loving you, c'est pas nous autres. Non, c'est pas nous autres, mais celle-là, je l'assume très bien. Ben, c'est-à-dire qu'il y a des tunes que t'écris quand t'as 20 ans qui sont peut-être moins proches de ton cœur rendu à 65, tu sais. Mais il reste que... Notre set qu'on fait en ce moment, là, notre 1h45, ça se tient très bien. Oh, t'sais. Un best-of, là, ça se passe. Non, mais tu sais, c'est une bonne question parce qu'on écoutait les albums récemment pour éventuellement ressortir tout ça, puis ça se tient. Ouais, quand même. Quand même. Je dirais pas tout ce que j'ai dit, là, mais oui. Non, il y a un peu de filler, mais pas tant que ça. T'sais. Non. Il y a rien que je skipperais vraiment, là. C'est la fois que j'aime moins. Mais dans le temps, je trouve que c'est tellement difficile que je skippais plus. Parce que j'étais fucking nazi sur l'affaire. Mais avec le temps, là, j'ai appris le plus smooth, puis je trouve ça. Tolérable. C'est bizarre parce que je pense que je skippe pas les mêmes. On dirait que mon playlist de Groovy a changé. Ouais, il y a des tunes que j'aimais moins avant que j'aime plus là. Ben, moi aussi, en fait, les tunes que j'aimais moins avant, j'ai retrouvé la beauté intérieure de cette chanson-là. C'est beau de t'entendre parler, mais c'est de la poésie à mes oreilles. C'est comme une bibliothécaire sévère que tu vois l'après-midi, mais que tu vois à 3h du matin d'un bar. Elle est plus belle. Avec le stroboscope et la boucane, là, toutes les tunes sont bonnes. Quand tu enlèves. Le sourire qu'elle te fait quand tu enlèves l'aiguille, hein. Fait que voilà, Annie, salut! À la prochaine! Oh, un mini-jeu à chat! Ah, fuck! Je suis en dehors. Allez, ça va, ça donne. Ok. Fait qu'on se déplace à gauche, à droite. On explore en vibrant par en haut et en bas, puis on creuse à droite. Comme ça, on vibre comment? Creuser, comme ça. Ah! On cherche. Qu'on se déplace. Pensé, s'il te plaît. Ouais, mais les chercheurs là, il n'y avait pas des chats à 4 étages là, courant après. Non, c'est quoi, c'est ça? C'est quoi ces deux mètres là, genre? C'est quoi l'explorer, boys? Explorer? Ouais, c'est quoi explorer? Déterrer le plus de pièces possible. Oh, c'est j'en ai explorer, pas une. Ouais, je sais pas. Ok. Mais de toute façon, tu déplaces pis tu creuses là. Ouais. Okay. Parce qu'on perd qu'on est pas pire. Ouais, c'est correct. Bon, j'ai ok, ouais. T'as ok? J'ai rien compris, d'accord. Tu te dis que j'ai pas ok? J'ai rien compris.
Il est crazy. Il est crazy. Oh, shit, okay, faut pas être poigné, ça. I'm shoveling here. C'est quoi ça? Non, je pense que tu fais ça dans le jeu. Tu peux soigner de quoi? Ben, moi, et trop. J'ai super pas trouvé le poste parce que j'accroche le. This worm thing is coming after me, man. Faut pas poigner les worms, hein? I don't think so. Ah fuck, là, non, j'ai moins trop rien, moi. C'est quoi, c'est des worms verticales, c'est ça? C'est quoi, c'est Richard Pryor. Ça n'a rien pas fait grand chose, là. Non, j'ai pas trouvé du grand neuf, j'ai plus zéro. Qu'est-ce que t'as fait, Martin? C'est pas ça. C'est quoi, why not? T'as aucune idée de quoi t'as fait la formule dans ça. Aucune idée. J'ai cherché de l'or, Richard Pryor, ouais. Richard Pryor, fucking rules, man, il était bon. Le show on Sunset Strip, ou je sais pas quoi, là. Ah ouais, hein. Parce qu'il est on the edge, c'est dead dans ses années hop. Ses années cocaine. Yeah, yeah, ouais, pour vrai, ouais. Puis il raconte des histoires, oui, le genre d'affaires qu'on avait écouté sur les bouteilles. En DVD ou en. Il joue à. En vinyle. Avant la TV, il joue à la TV. Ah ouais? C'était très edgy, man, pour l'époque. It was really edgy. C'est beau, on est toujours à la même place. Ouais, ouais, mais ça fait deux fois que je fais tout chier, là. Moi, j'ai une question pour Vincent. Oui. Le suit du grand fourmilier, il est confortable comment? Zéro. 1 à 10. Il pèse, il doit peser à peu près 50 livres. Il y a 980 morceaux de miroir après ce suit-là. Fait qu'il est pas confortable, pas en tout. Le casque, il est encore moins. Mais il faut souffrir pour être freak. Mais ton nouveau saut, il est plus confortable, je crois. Ouais, mais il n'est pas tombé longtemps. Très noisy, mais très confortable. Ouais. Enfin, je m'en étais fait un autre en néon, qui était super léger, vraiment, vraiment cool. Mais le mécanisme de néon, de batterie, pognait dans mes pick-up de bass. Puis je m'en suis rendu compte à mon insu, un show Rockfest devant. Après avoir congédié 300 ans. Je me suis rendu compte qu'il y avait une noise pas possible dans mon ampli. Puis je me demandais à tout le monde, assis, arrêtez-moi cette crise de noise-là, je suis en train de péter les plombs. Puis pour me rendre compte que c'était mon soude qui faisait ça. Ça m'a pris 6 tonnes à m'en rendre compte. Puis il a fallu que j'éteigne les néons pour que le show continue. Fait que ça a été un petit peu un échec du fait que je m'en suis pas rendu compte avant. Mais le suit Raelvis, je l'ai toujours, il est dans un sac puis il va rester là longtemps. Parce que je m'étais dit que je n'allais probablement jamais le remettre après le 30e. Mais il a tellement été confectionné cool par mon ami Cathy Vachon que je m'en débarrassais jamais. Si je vais le garder peut-être pour porter l'Halloween si c'est là, à un moment donné. Mais il est vraiment pas confortable. Parce qu'il pèse en tabarnak, puis surtout quand après 3-4 heures de show, là, comme on faisait au Métropolis. C'est chaud, hein? C'est tout un one piece. Il est encore plus pesant parce qu'il est tout tard. Ah, puis l'autre affaire, c'est que. Yopin, tu vas pas le dire, mais c'est parce qu'il l'a porté souvent, là, puis quelqu'un qui se sûrement sué dedans, il sent pas bon. Ça se lave super bien, ça, avec des miroirs dessus. Je pense qu'il est encore 30 depuis 92. Ouais, à peu près. Il reste assez humide depuis 98. Mais la conception, c'est une chaîne de mécaniciens avec des miroirs qui viennent de l'église au coin de Delormier puis Saint-Joseph, c'est à Montréal. Puis c'est un gars qui faisait le vitrail, qui nous a coupé les morceaux, qui les a limés un par un. Puis on les a collés avec un gars dans le colchon. Fait que le V1, vous aurez écouté, le saut, c'est une chaîne de mécaniciens. Ça coûtait très peu cher à faire parce que c'était ma chambre Cathy et moi qui avons fait la main-d'œuvre. Fait que la conception était unique, puis faite à la main, de bout à l'autre. Puis le gars c'est un gars weird qui habitait dans une église tout seul. C'est un genre de vieux freak qui habite là, puis il est weird là. Puis en tout cas, lui, il avait du vitrail, il avait de la vitre partout, ce qu'il traînait. Fait qu'il nous a tous limé ça un par un. Puis il nous a porté ça à coup de 100 morceaux, après, parce qu'il habitait à côté. Fait que c'est de même qu'on a fait le saut. Il a vraiment été chanceux de trouver le matériau, puis trouver le gars qui était prêt à nous aider, à surtout les limer, parce que ça coupe en crise, ça. Mais ben, même limer, ma baisse a tout scratché en arrière, parce qu'à force de le porter. Même si j'avais fait un trou pour pas que ça apparaisse, mais ça a pogné certains morceaux de miroir, puis ma baisse a pas grand à cause de ça. Fait que voilà. Et parlant de ta baisse, il y a quelqu'un qui veut savoir c'est quoi l'histoire de ta baisse, d'où elle vient. Puis, Je l'ai volée. Ok. End of story! Non, la baisse, souvent, en 93, je m'en vais dans un appartement vide à Longueuil, puis tout ce qu'il y a, c'est des instruments volés qui traînent à terre. Carrément, il n'y a pas de meubles, rien, mais il n'y a pas qu'un instrument.
Fait que j'en spot elle. Elle était toute peinturée blanche avec un lacquer blanc écrit Fender au crayon Ferg dessus. Mais en la soulevant, je m'étais rendu compte que c'était un bon morceau de bois. Puis je me disais, Chris, ça se peut que ce soit une vraie Fender, une précision. Et donc, je l'ai acheté pour 150$. Je suis allé la faire réparer, puis toute dépeinturée, remis au bois par le luthier Jerry, au cégep dans mon petit. Puis lui, il m'a décapé, frété, puis il met des pick-up actifs EMG dessus pour 150$. Je sais pas ce que je fais, mais ouais. Qu'est-ce que je peux pas faire en même temps. Puis finalement, on a réalisé, grâce à mon luthier, que c'était une Fender Precision 1968. Avec le numéro de série, on a même déterminé qu'elle avait été faite en août 68. Fait que c'est ça l'histoire de la baisse. Puis moi, je l'ai depuis 26 ans, mais la baisse comme telle, elle a 51 ans. OK. Puis c'est resté ma même baisse depuis ça, là. D'accord. Je pense que j'ai bien compris quelque chose du gars. Il parle de ta baisse Ricky. Quoi? Ta baisse Ricky. Ah, la Rick, je me suis fait voler, elle, pour de vrai. OK. Mais j'ai une rouge. Je me suis fait faire une baisse en cadeau. Par un gars qui s'appelle Martin Jutra chez Oogie Bass et Oogie Guitar en fait. Et il m'a fait une réplique Rickenbacker, mais avec mes spécificités dessus, c'est-à-dire les pick-up actifs EMG, comme sur ma P-Bass. Puis Martin, c'est un fan de Groovy de longue date, puis lui, il fait ça dans la vie. Mais il peinture les avions dans la vie en fait, fait qu'il est utile par pure passion. Et puis Martin m'a fait un des plus beaux cadeaux que j'ai eu de ma vie, c'est donc cette nouvelle Oogie Bass. Form Rickenbacker, il m'a fait ça l'année passée. Fait que c'est ma deuxième plus belle baisse que j'ai jamais eue. Fait que c'est une baisse dont je me sers à peu près à 40% des shows. OK. Donner un break à l'autre. Nice. Fait que Martin Jutra, au Geek Guitar, allez voir ça. Son site est formidable. Il fait ça costume comme tu voudrais avoir. Tu vas avoir une baisse faite en gland comme mon personnage, puis t'as le frais. Je pense que tu l'as pas utilisé avec Groovy encore, je pense. Non. Ça me calme. Non, hein. Non. On n'a pas joué beaucoup, hein. Non, on a fait 4 jours cette année. T'as-tu fait tes impôts? Non, pas encore. Fais mes impôts aujourd'hui. Non. Tu sais combien j'ai gagné? Pas grand chose! Mais je suis riche par en dedans, ouais. Excusez, ok. Alright! C'est à l'intérieur qu'on est beau aussi. J'ai vu une photo de cœur et d'intestin, c'est beau, en plus. C'est parti! C'est très gros, hein. Mais Chris, c'est quoi le jeu? On se tape sa gueule? On se tape sa gueule, parfait. Ben, allez, on tape sur Pierre. Moi, on tape sur Pierre. Je joue autant de la cité. Bien sûr, hein. Ouais, c'est vrai qu'il est très français. Il montre des replays quand même. Ouais, c'est ça. Ils prennent des photos de nous autres. Puis... Ah, putain, j'ai coupé, moi. Oh, Pierre. T'es le gros, barbu, man. What a bully. You're a bully, man. You're a bully. You're a bully. Mais c'est pas souvent que t'es fort. T'es pas souvent que t'es fort. C'est pas juste Pierre, il est beaucoup plus gros. Pierre, toute photo, mais. Regarde, bon, je bûche partout, là. Il mérite de manger une vanille. Là, je comprends pas comment ça se fait. Vince, il y a toutes les fucking étoiles. Je triche sans arrêt. Ah ouais, c'est ça. Il tombe par hasard sur des étoiles. Putain, qu'on a du monde qui. Tellement. C'est quasiment cool ça! Goomba la porte avec Blue Jay! Goomba, yes sir! C'est fuck you! Ouais, comment tu te sens là, avec ta grosse carapace? Quelqu'un qui voudrait savoir s'il y a un show de Grimmskong et de Groovy, c'est quelque chose qui se pourrait. Ça se pourrait, puis il va en avoir un cette année. Ah ouais? Hein? Ben oui, Martin, j'ai tout écrit ça déjà. Martin, tu peux quitter courriel toutes les fois. Les 150 000? Ouais. Ben dans ces 150 000 là, il y en a un qui dit qu'on va jouer avec Grimmskong. Et Caroté! Et Caroté. Ah oui, 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 c'est vrai. Ah oui, j'ai pas une mémo là-dessus, c'est quoi ça? Ouais, ouais, ouais. C'est en septembre. Joli. Je sais pas si on a le droit de la dire. C'est pas un chargé qui a posé une question de la Mais oui, on est juste allé Grimmskong, ok, Caroté. À Joliette. Ouais. Joliette. À la fin de l'été. Ok, j'ai dit oui pis tout là. Oh ouais, il me semble que oui. Oh oui. Ok. J'espère. Comme ça, on vient le coup. Attendez, vous avez oublié
dernière fois que ça s'est passé, ça, c'était-tu à Plaisance? La dernière fois que ça s'est passé, mon boy, là, c'était au Poly Woodstock. À Plaisance. C'était le 21 juillet 96. Ils se sont fait voler le pied la veille du show. Il cache chaud. Il y avait les Skulls et les autres, me semble. Non. Hey, attends un peu, on avait pas fait le festival de la truie ou je sais pas quoi, là. Festival du cochon? Ouais, ben, excuse-moi. Tout ça, c'était avant, je pense. T'es sûr? Mais. C'est le 27 septembre. J'ai joué avec. J'étais là. 27 septembre, oui. Moi, je savais, je sais pas si j'avais le droit de le dire. Mais effectivement, oui, les deux bandes vont jouer ensemble pour la première fois en plusieurs années, en fait. Quasiment une quinzaine. Donc, la réponse à la question, c'est oui. Oui! Même si Martin ne savait pas, mais oui. Puis, t'as peur, on avait fait le. Oui, le Kick-Ass. Kick-Ass Show, ouais. Avec Winston, ouais. Ah, c'était Todd. Qui était là dans ce temps-là. On avait juste ce soir-là? Oui. Il y avait Guttermouth aussi. Puis il n'y avait pas Anonymous aussi sur le deuxième stage. C'était sûrement que j'avais passé de deux mains. Comment on va rappeler de ça? Mais je m'en souviens, oui. Oui, je m'en souviens. Oh. C'est bizarre, je m'en souviens, j'avais fait une moi grosse de même. Je me souviens vraiment aussi, ouais. Ah, il y avait la grippe, il y a pas une grosse grosse Tylenol qui dit. Ok, ok, c'est bon. Quelqu'un veut savoir c'est quoi l'histoire de local vie? Local BC? Ouais, local BC. Moi! C'est l'histoire d'un jeune groupe rock alternatif qui n'a d'autre choix que de subsister durant les longs mois d'hiver à se livrer de la culture bactériologique. Ça, c'est l'intro qui fait en show, mais mieux! Le cas Groovy, à ses débuts, on a investi un local en haut d'un restaurant grec qui s'appelle le D-Like Donuts. Puis en haut du D-Like Donuts, c'est là qu'on a commencé à être sérieux puis à pratiquer 3-4 fois par semaine. Puis on faisait des jams vendredi soir ouverts. Bar open, si tu veux, door open, pas bar open tant que ça, mais tout le monde avait le droit de venir, puis on a comme installé une des pratiques ouvertes hebdomadaires comme ça. Donc l'histoire raconte un petit peu ces années-là. Comment le pauvre gars en bas, ben, qui avait à subir nos jams très bruyants et peuplés. George. Et carrément que je l'ai vu, George, qui était un cool grec, à qui on payait le loyer. Puis lui, il fallait littéralement qu'il empêche les assiettes puis les verres puis de tomber pendant qu'on jamais. Fait que c'est l'histoire pas mal de Groovy dans les années fin 80, début 90, dans ce local de pratique-là, avec un paquet d'anecdotes qui reliées à ces personnages fabuleux-là qui se tenaient chez nous. Alors, pour imaginer, il m'est très très proche de la réalité. D'accord. Puis aussi, on commençait à faire de la calvitie dans ce temps-là, fait que c'est le jeu de mots est là. Parce que on est à tout le monde sauf toi, là. Vous êtes tantôt qu'on voit. Je vais pas en plein. À cette époque, à cette époque. Vous êtes tantôt qu'on maintient le tour dans le jeu. Comment? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est Vince. Vince, en plus de tout dormir, il vient de nous voler de quoi en plus, je pense. Fuck yeah! Fuck yeah! Cassé. Non, ça s'appelle pas, mais il reste 5 minutes. Hein? Ah non! Mais on peut finir une game. Parce qu'elle doit être sur le bord de finir. Finir une game? Je pense qu'on est pas en direct. Il y a une dizaine de mini-jeux. Je sais pas, vous êtes rendu à combien de mini-jeux que vous avez fait? Ouais, c'est 3-4. Ouais. Moi, je peux assurer que ça se comme. Ça m'apporte des choses, ouais. Hein, c'est quand même pas de petit sur X. Reprendre le jeu. Pew. C'est pas ça, c'est X là que vous avez. Non, mais j'avais calé 4 boulots que je jouais à Mario, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la phrase la plus juste de la vie. C'est pas moi qui ai le contrôle. C'est même pas des boulots. On est des lelos. Ça, c'est le conseil de Toad. Ah, Toad. Ok, dans le même sens, c'est juste. On est des bugs, nous, là! Jesse One Kenobi, your only hope! C'était à qui jouer? C'était rendu à qui? Tu vois comme moi, je pose. Moi, je vais pas en question. Ah, c'est Toad, c'est Vincent. C'est qui Toad? Ok, Toad, oui, oui. Sorry, buddy. Ça va super bien. Je t'ai Goomba, là, 3 secondes. Ah! Oh yeah! Moi, je suis sûr que des résidences soleil, ça se passe mieux que ça. Oh, ok. Hey, il y a des pitons au site aussi. Aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Et là, vous m'avez dit peser sur X, là.
Ah, c'est pas encore Vince! Oui, je comment ça qu'il y a le coco de porc qui vient parler à lui? Vince, il y a tout. Ben oui, c'est ça. T'as fait vous envoyer une petit champignon, il loin. Oh, ça c'est bon. Tu sais que j'ai du macroquettes. Des heures et des heures de plaisir, ce champignon-là. Comme dans le temps. Hé, hey, mais je suis allé au McDo l'autre jour en Europe, pis c'est crissement moins salé. Pis la liqueur est crissement moins sucrée. Ah oui? Ah ouais. C'est assez que l'Amérique, vous avez cette là, c'est salé, va. C'est pareil, sauf que c'est bien moins salé, je te dis, là. Je t'allais manger, moi, un McDo à Moscou. C'était différent aussi. C'est goût de la vodka. Si tu m'enlèves Big Mac, ils vont rien arriver. C'est ça, son vodka. Tes mecs croquettes, c'est de la vodka au lieu de l'aigre douce. Qu'est-ce que c'est? Tu serais juste en comme ça. Déplacer, arroser. Moi, je veux juste arroser. Ouais, c'est vu qu'il reste pas beaucoup de temps, je rappelle au monde qui nous regarde que vous pouvez poser n'importe quelle question. Avec Groovy Hard Work, il va rester à peu près 10 minutes pour poser n'importe quoi. Ben. Ouais, sérieusement, sortez-nous de ça, là. Je parle du jeu, là. Sortez-nous de nous, oui. Ok, je vais dire. Sortez, Goomba, Goomba! Ben, ok, Vince. Ok. Ok. C'est comme ça, tu vas faire une autre étoile. Il va dire combien, lui? Hein? Ben, je sais pas, il y a toutes les fucking étoiles. Tu sais, genre, tout le monde ensemble, on en a fucking zéro sauf lui. Ouais, c'est ça, je viens de m'en faire kicker. Ah, si, ça, c'est là, ça, là. Splash, motherfucker! C'est bien moins, on peut se rentrer la tête en tout le monde. Oh! Oh! Annulé, mais sinon, ça allait faire mal. Le PJ sur la petite. La poêle. Le... Oh! Wow! Oui. Ça se peut qu'on finisse avant 10 minutes. Regarde ce jeu-là! C'est pas l'autre. Il est facile, il y a deux équipes. J'ai encore. J'ai encore. Ouais! Je suis sûr, on a un petit problème technique, on a perdu la caméra sur le banc. On veut plus rien! On est dans le verre! On va régler ça, excusez. Ça s'en vient. Jesse! T'es où? J'arrive tout! C'est tout! Jesse est parti. Pierre! Où se fait tuer? Fais noir! Fais noir ici! Je t'attends, fais noir! Mais! Maman! Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on. Nothing really matters. Goodbye. Hey! Goodbye. 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 De hurrah, Luigi! T'as marre de mourir? Les hurrahs pour les pommes. Il y a peut-être toujours des jeux. J'ai jamais vu un après pour le troisième. Ben, pour un gars semi-clopé, t'es pas pire. Aïe, yes! Si tu pars d'en bas, je suis le premier. Mario! Attention, comble! C'est souvent ça, hein? Ben, c'est l'histoire de Ben. Here comes the wall. Ok, je sais pas c'est qui, mais il est dans la. Ouais, il y a quelqu'un qui a un problème. Il est avec pas mort. Donald Trump, son mur vient d'apparaître. Moi? Oh, je pense que c'est ça. Ça ressemble au bras à Maya, ça, dans. Ça ressemble à moi qui est dans le problème. J'ai encore du trouble avec un mur, reste. Ah, ouais. Quelqu'un qui veut savoir ce que le meilleur Ben Loco à qui que vous avez joué. Et tabarnak. Donc ça, c'est chien. C'est chien. Ouais. C'est chien pour les autres. C'est qu'on a eu des bons balles locales. C'est vrai, c'est pas le cas. C'est malade! Ouais. Ben moi, quand on a commencé, mon band préféré, c'est The Affected. Ben, c'était notre chum de Longueuil, mais c'était Stick Stafford. DBC, à l'époque, des fois Stick Stafford ça avec. C'est du monde, t'sais, DBC, il y avait un album, il était une compagnie de disques, c'était comme, wow, la grosse affaire. Quand on a découvert Grimmskong, ça a fait, oh shit, ça c'est un band aussi. Puis le Grimmskong Groovy, on a fait bien des choix ensemble, on est devenus alliés. Mais moi, j'ai toujours été un gros fan de Grimmskong. Hazy Azure dans le temps, c'était force aussi. Oh my god. Ouais. Puis, man, il y en a eu un, puis un autre, là. Mais de ce temps-là, j'aime bien Lubick,
qui viennent de Roquemort en Abitibi Nord, ben, les autres ils vont faire 18 heures de route pour 30 minutes de show, puis ils sont super contents d'être là. Moi, là, t'as peu, là. Ma dernière découverte, là, c'est Cirrhose et Cendrier. Moi, ils sont forts, eux. Si vous connaissez pas, allez voir ça, c'est malade. C'est très, très, très bon. Cendrier, c'est bon, Chris. Mais là, mais là c'est là, là, mais il y en a eu. On n'a pas joué avec eux, mais. Beaucoup. En parlant de découverte, les hôtesses d'hiver. Oui. Ben, les hôtesses sont en Suisse, moi même, on se parle. Il faut un mois de tournée. Man, on s'est croisés à la Chambre de Gaulle, mais on s'est pas vu. Ben, moi, je suis dans l'avion, je suis occupé. Mais... mais les hôtesses, ouais, ça, c'est des Jedi acadiens hallucinants. C'est pas mal mon band préféré de ce temps-là, depuis que je les ai rencontrés, en fait. Il y a Fudge qui sont débiles, mais de toute façon, il y a deux U. Fait qu'il y a encore plus sucré. Il y en a qui sont des beaux bands. On a joué récemment. Ben, j'arrive d'Europe avec les Skunks, puis, tu sais, on a joué avec des bons bands, mais. Au Québec, la qualité est supérieure. Il y a de quoi qui se passe dans l'eau aussi qui fait que la musique est débile mentale. Le nombre de bons bands pour la population qu'on est hallucinant. C'est dur à battre. Puis quand tu promènes dans d'autres pays, tu réalises à quel point que c'est riche ici. C'est riche, là, il y a du bon astic, il y a du bon stock. Si il y a une justice à terre, tous ces bands-là seraient capables d'en vivre, mais il y a juste pas assez de monde pour ça. Mais ça n'empêche pas le monde, les jeunes de le faire, là, les bands aujourd'hui. T'sais, je parle à Monton Crabbe. Deux gars qui font ce qu'ils veulent. Puis c'est cool en Chris. C'est comme du monsieur de Bongo déjanté, là. Déjanté. Ouais, c'est ça. Comme si c'était possible. Mais il y en a un, puis il y en a un autre. Puis tu sais, il y en a tellement que je suis capable de les suivre. Ça pousse sans arrêt. Puis là, tu vas du côté anglophone. Tu sais, ça n'arrête pas non plus. Puis il y a un festival après l'autre. Il y a un festival de distorsion là, qui vient de dévoiler sa programmation. C'est débile mental. La Ligue Rock vient de finir. Il y a des bons bandes là. Teke, nouveau band à Serge Petit, c'est du surf japonais. C'est excellent. Tu vas aimer ça. On a nommé que quelques-uns en fait. Parce qu'on a joué avec des centaines de bands, puis on s'est fait des centaines d'amis, des milliers d'amis avec les années, puis du monde avec qui on se tient toujours. Les jeunes groupes vont y voir. Oui, les jeunes groupes. Fait que tu sais, on est privilégiés, il faut pas l'oublier d'avoir une qualité et une quantité de bands incroyables ici au Québec. Ça fait du show des fous, t'avais un t-shirt par band. Un t-shirt par band, il fallait que j'ai choisi ce qu'on faut parce que c'était une fraction de ma collection. Carrément. J'ai plus de place pour mes t-shirts de band. Si, il va falloir que je déménage. Ouais. C'est comme un problème, j'ai voulu les mettre. Ben, c'est pas un problème. Oui, hein, tu voudrais savoir de quoi la toune amphibien parle. Ça parle de respirer en dessous de l'eau. Puis pas mourir. Je m'en rappelle pas. Non, mais peux-tu être moins clair? Là? J'imagine que la personne qui a posé cette question-là est tellement éclairée en ce moment. Non, mais tu sais, j'ai toujours vu comme une chanson d'espoir. Pour quelqu'un qui file pas pantoute et qui a des idées noires, de se donner une chance de respirer, de sortir, d'émerger de l'eau puis de se donner un second souffle. J'ai toujours vu un peu comme ce genre d'image-là. De. Quand tu penses que t'es en fond, tu t'es plus capable de respirer, ben tu remontes à la surface, puis tu donnes un break, puis tu t'accordes un autre lever de soleil. Tu m'as dit ça? Ouais. Tu parles beau, C'est beau. Je vais peser sur X. La tonne est écrite, je l'ai écrit au Mexique, puis elle sur une guitare qui était tellement mauvaise que la seule chose que j'ai pu faire avec, c'est de l'accorder juste en la. C'est tout des la. Fait que c'est comme un open tuning en la, puis ça a donné un peu comme une sitar ou des instruments plus traditionnels où le drone, la note de base est tout à la même, puis c'est la mélodie en haut qui change. Fait que ça a donné un peu la couleur plus différente de ce tune-là par rapport à un tuning normal. Puis quand tu pars de là, ça change comme la façon d'écrire, de jouer la guitare en tout cas. Puis ça a fait une tune vraiment différente sur l'album, etc. Mais qui était extrêmement difficile à produire parce qu'il fallait faire. Il fallait que je tourne une 12 cordes en l'air, mon gars. Les 12 cordes, c'était fucking tough. Mais puis là, avec le riff de les trois petits chats comme refrain, c'est. On voulait pas. Je me disais peut-être que ça va faire trop quétaine, mais ça, on a choisi des mots extrêmement durs comme matricide pour. Pour faire la dichotomie entre le côté enfantin et le côté dark humain, adulte, disons. Alors voilà.
là-bas. D'accord. Mini jeu, les boys? On pète la ballon. Ça se peut que ce soit le dernier? Je pense que ça va être le dernier. Ok. Excuse-moi, okay. Vince, mais je viens de péter ta ballon. Ouais. Est-ce qu'on y va? Oui, on y va. Non. Pète les ballons. Alright. Mais c'est qui l'autre là? Le petit, il n'y a pas de ballon. Mais... Go! Tabarnak. Pète ta ballon, moi. Terminé? Hein? Ouais. Ça vient, ça. C'est un coup, il y a fait 4 ballons d'un coup. Hey, il a fait un bon coup, il y a 12 étoiles. Ben oui. Il a pété 15 ballons. Même le prochain band, tu vas venir, tous ces ballons vont péter à cause de la vie. Toi, pété un ballon, tu connais ça, hein? Pété la ballon. Ouais, t'es en sous. C'est 5 ans, je suis sous. Il reste 2 tard, ouais. Reste 2 tours, ok, on va poser une vraie question. On va y arriver. Non, ben, on est peut-être pas obligé d'infliger ça à personne non plus. Non, on va y aller. Il y a beaucoup de questions encore. Ah ouais? Pourquoi il y a un bébé qui pleure sur le troisième album? Ah, ok, là, ça c'est le moment où je m'en vais aux toilettes. Non, mais c'est bon, le bébé qui pleure. J'en adore le son d'un bébé qui hurle. Il y a rien de plus drôle que ça. Ouais, ça me fait le fait. En fait, un bébé qui pleure en saignant les oreilles, c'est encore plus drôle, mais c'est. Aucune autre raison que c'est Ludovic Desgroseilliers, qui était le bébé à ma mère, amie Martin Desgroseilliers à l'époque, qui était en studio et qui s'est mis à pleurer, puis on l'enregistre! Puis depuis ce moment-là, Martin, ça le fait capoter. C'était des entretunes de même. On voulait faire un rythme que des entretunes, que l'album se suive un peu. Fait que c'était juste inscrit dans. On enregistre le moment, puis le moment, c'était de Ludovic qui pleurait. Ça n'a aucune autre signification que ça. Pas une histoire à propos de ça, que la tête était pas bonne, t'as dit tu peux faire mieux, pis oh, on l'a fait. Il était poche, il l'avait pas. T'es pas terminé pas en tout. C'est que des gros, ton kid, il l'a pas. Il est pas de kid, mais le mien, il l'aurait fait à one take. C'est un kid qui avait ramassé sur le bord de la rue, c'est même pas son kid. À ce jour, on sait pas c'est qui le kid, là. La question, c'est si on retrouve la traque sur les nouveaux releases. Oh. On l'a-tu dit oui ou non? Je pense que. Je pense qu'il y a dessus. Ouais, on l'a laissé, il met ça. On l'a laissé certain. Il y a eu un questionnement. Il y a eu un questionnement certain. Donald Martin. Dans les 15 000 mails, il y a une réponse à quelque part. Est-ce qu'on laisse ou pas le bébé? Le bébé, il est encore. Mais non! Hey! On fait un quiz! Voulez-vous le bébé ou pas? Martin. Ah ouais, parce que moi, je l'enlèverais. Moi, je l'enlèverais aussi. La seule place qu'on peut l'enlever maintenant, c'est le vinyle de César. Parce que en numérique. Non, c'est une vraie question. On garde le bébé ou on le garde pas? Il me semble que non. Il me semble qu'on a dit non. Mais... Ça fait confirme. Ça a été conservé. Ludovic existe toujours. Ben, Ludovic existe toujours, puis c'est une bonne chose. Mais sur l'album, moyen. Mardi. C'est toi, Martin. Tu fais la danse avec les Wives. Il y a beaucoup de gens qui sont venus après qu'on avait une annonce. Fait que c'est. Ils demandent de voir des vinyles pis tout. Fait que. Est-ce qu'on peut rappeler Martin, que c'est pas le projet? Oui. Sors ça, ouais. Il est où là? Oh! Attention! Qu'est-ce que tu es carré? Là! Le suis-je? Non! Il est venu des toilettes. Maintenant, oui! Ok! Et je l'ouvre pas. Là, faut-tu que je redise tout, là? Là, si vous êtes pas attentif, là, fuck! Explique qu'est-ce que vous annoncez, quand, qu'est-ce qui sort. Oh, fuck! Frank, fais-les! J'ai tout fait tantôt, là, ça m'a tout pris ma rame. Vas-y. Ouais, vas-y. En fait, oui, on sort celui-là en premier, le... 13 avril, celui-là, ouais. 13 avril. Ouais, le 12. Le 12. Non, le 13. Entre les non, deux. Le 13. Le 12, on joue, c'est ça. Je peux ce mémo-là. Le 12, c'est numérique sort, effectivement. Okay. Mais le tout remasterisé. Si on trouve le terme français, on peut l'utiliser, on peut l'envoyer, puis... C'est matricé. Rematricé, ça chillait. Pas rematricidé. Rematricidé. Non, c'est... Rematricidé. C'est super bon. Ressuscité de l'Arthur, c'est... Tu peux sortir les vignettes des pochettes? Tu peux, ouais. Ah oui, oui! En fait, ils sont rouges, les deux. Il est allé avec les pochettes. Je suis l'alcoolier, mais je suis pas mature qu'ils sont rouges. Ouais. Cool, hein?
C'est-tu le premier vénile de Groove Hour? Complet, oui. Ouais, parce qu'on a fait des demi-vinyles avant. Des demi-vinyles, vraiment. On a joué une tourne. On a fait une tourne sur un vinyle Rear Guard en 1988. Donc tout le monde se rappelle? Ouais, ouais. Mais ouais, effectivement. Check ça. Look at this thing. Azur, comme ta fille. Oui, oui. Oh. Azul. C'est cool, hein? C'est sûr que mes filles regardent pas ça, ils sont pas convenus. On les salue. Ouais, faut t'expliquer pourquoi il y a deux vinyles. Pourquoi Frank, il y a deux vinyles? Pourquoi Frank, il y a deux vinyles? Pierre, réponds à la question. Parce que 360 grammes rentraient pas sur le vinyle. Si j'ai bien compris, c'est ça la raison. On avait 360 grammes de musique qu'il fallait séparer en deux vinyles. C'était beaucoup trop pesant. De 180 grammes. Les maths sont-tu bonnes? Comme je disais, les chiffres, c'est pas une science exacte, de toute façon. Ouais. Mais. Comment t'as dit? Ouais, pourquoi il y en a deux, d'ailleurs? Pierre. Parce que plus tu mets de musique sur un bord, moins ça sonne. Fait qu'en mettant 4 tonnes et 3 tonnes par side, ça sonne la qualité. Il n'y en a que. Augmenter. Fait qu'on rend muté. Fait qu'on paye plus cher pour votre plaisir. Ouais. Mais mettons qu'on n'a pas un vinyle, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Si t'as pas de vinyle, t'es pas cool. Premièrement, tu fais dur. Deuxièmement, à l'intérieur de ça. Fuck, j'ai pas de vinyle. À l'intérieur de ça, tu vas avoir le CD de Vacuum. Ce CD là, ça a l'air que ça brille jamais. Tu mets du bar de pinot là-dessus, man, puis ouais, tu vas scratcher ça avec un couteau, puis ça va toujours jouer. Non seulement j'ai vu, ça. J'ai vu le gars de Radio Shack mettre le pied dessus. Ouais. Ouais, ça a pu marcher, mais en tout cas, pas ce fois-là. Sinon, les autres fois, ça marchait tout le temps. Ouais. Moi, il y a un gars qui m'a demandé de signer son vinyle gravé, il m'a donné son disque gravé, puis je l'ai gravé avec ce tournevis. Il signait quoi, exacto? Puis il va avoir un pack de guide, il va avoir un sticker là-dedans. Il va aussi avoir des découpeurs de presse, des photos d'époque de Groovy Hard Work, alors qu'on était jeunes et beaux. Tout ça pour un si beau packaging. C'est remasterisé, on l'aurait dit. C'est remasterisé par Ryan Morley. Ça sonne en tabarnak. J'ai le droit de saquer. Oui. Oui. Un beau packaging fait par Slam Disc ici, toute la belle gang, ouais, ici, Montupuis. Ouais. Ouais. Simon Dupuis qui a fait la pochette originale. On est parti du CD pour faire ça parce qu'on a perdu les masters graphiques pour faire tout ça. Fait que Simon s'est vraiment donné la peine de faire une job où la pixelisation ne paraît pas en tout. Mm-hmm. Ça a pris beaucoup de temps à faire ça, ça a l'air de rien, mais il y a énormément de travail derrière ça. On le répète parce que c'est le même que ça se passe. Il aurait tatoué le gars. Ben qu'on est vraiment, vraiment content d'avoir un tout premier vinyle, le style de Groovy, hein. C'est émotif. Oui. C'est important. Il y a du monde qui se demande ce que les autres albums vont sortir en vinyle. On a pas tout d'autres albums? Bah non, ça sortira pas. Non, on roule ça. Non, mais albums vont sortir en vinyle, oui. Ils vont faire. Oh non, blague, là, on est sur la brosse complètement. On va sortir tous les albums des songs en premier, puis on verra pour le temps. Fait que oui, la réponse est oui. Non, pourquoi? Un album à la fois. On sait pas exactement ça va être quoi le délai, mais ça sera entre 6 mois et 1 an. Par album, à peu près, hein? Puis où est-ce qu'on va acheter ça? Tu vas acheter ça au 1231 rue Wolf, appartement 2. Non, tu vas acheter ça à peu près, moi, ce qui vend du bon vinyle, là. Ça va être différent, mais nous, dans un mois, on va peut-être vous dire ça, là, mais ça va être sur benpromo.ca, qui est la boutique web, on va commander ça là, sinon dans les magasins de vinyle. Oui, oui. Parce qu'il y en a de plus en plus. Mm-hmm. Il va même avoir une précommande. Il va avoir une précommande. C'est jamais? Cool, on va venir avec un shirt. Ah oui, ben oui, il y en a un super shirt. Exclusif, à peu près, qui va venir avec ça. S'il y en a qui ont des demandes spéciales de grandeur de t-shirt, genre je prends du 4 XL, c'est le temps de le dire. Ah ouais, hein? Pancho, genre. Là, on a dit que ça va être disponible en numérique, mais oui, on a pas parlé des clips, mais ils vont peut-être être remasterisés aussi. Oui. Toutes les clips vont être remasterisés. Ouais. Et voir des lyrics vidéo. Des lyrics vidéo. Faites par toi-même. Faites par moi-même. Avec beaucoup de travail et d'amour. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour faire un lyrics vidéo? Je synchronise toutes les paroles, puis après ça, j'anime chaque mot qui apparaît un à un. Je me suis dit que ça va être le fun. Et même pas fait 5 albums, un mois à fois. Ouais.
Fait que projet. Tout, ouais, c'est quand même quelque chose. Il est pas encore fini. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a fait beaucoup de vidéos, fait que ceux-là, t'as pas besoin de les faire. C'est vrai. Ouais. Mais 14 ou 54. Ça en fait beaucoup. Ouais. Puis c'est super beau d'ailleurs. Merci. Puis c'est drôle parce qu'à l'époque, on faisait des fautes de français. Puis là, on, avec la gueule qu'on est, on a récupéré un paquet de fautes. On a loisé les corriger. Ouais, c'est très bien. Parce que j'en connais une ici, par le côté de moi, Sophie, qui laisse rien passer. On l'applaudit, Sophie, qui laisse rien passer. C'est même un fort de français. Ouais, ça paraît. Puis moi, tout va être remasterisé aussi, on l'a dit tantôt. Les doutes sur les clips, on va remplacer avec le nouveau master, dans le fond. Ah oui, ok, en plus. Ah ouais? Okay. Puis on va voir notre propre channel Groovy là, sur YouTube, right? Ouais. Ça, c'est cool, ça. Yeah. Ouais. Ça finit plus d'être cool, là. Mais non. Il y a Frédéric Burt qui demande le numérique, ça va sortir le 12 avril, tout. C'est right. Numérique sur YouTube, ça va être le 12 avril aussi. Le catalogue complet. Le catalogue, ouais, ouais. Catalogue complet, 12 avril, partout. Puis aussi, pour celui-là, on n'a pas pu le faire, mais pour les prochains vinyles, il va y avoir des petites surprises aussi. On pense pour être en mesure de mettre du extra bonus. D'accord. Des versions différentes ou même des tunes qui n'existent pas, qu'on a déjà enregistrées à l'époque, qu'on n'avait pas mis sur les albums originaux. On va sortir après. Ouais. Il y en a beaucoup de stocks que Groovy n'a pas sorti qui sont en banque, qui vont apparaître d'une façon ou d'une autre pour les années à venir. D'accord. Okay, là, on a. Il manque. Fait que les shows. C'est quoi les prochains shows? 12 avril. 12 avril. Trou du diable. 12 avril. On sort la boisson d'avril. Fuck yeah. Une cinquième année, oui. Cinquième année, la boisson d'avril. Excellente, sans passer. C'est ce que j'entends vous dire. Il n'y en a pas plus de gorgée de plus. 20 avril. Pierre et Mené. Bois des filions. Oui. Complet. C'est complet. Ça fait longtemps que c'est complet. Oui. Ah, mais ils ont probablement qu'on ferait une deuxième visite à l'automne. Métropolis de Montréal, Francophonie, 21 juin. Ouais, en fait, j'ai même pas regardé, mais ça, j'ai pas vu comme ça. Faut que ça soit annoncé, man, dans 3 mois. En théorie, on devrait. Man, toutes les choses sont annoncées. La programmation, elle sort là, genre. Pas grave, on l'a dit. Il sort, dans le fond. Oh, In-store de... Oui, c'est vrai, le lendemain de Shawinigan, on fait un in-store à Joliette, au Stéréo Plus, le 13 avril, la journée qu'on sort l'album. Fait que le groupe au complet, sauf Frank, sera là, mais mon frère Danny P, qui est le drummer sur l'album, sera là pour signer vos records. Et pour être laid. Alors oui, c'est le plus. Nous invite de 13h à 15h30 à signer les albums. Fait que vous serez en grande rumeur. Fait que ça, c'est le lendemain chez Wingan. Si vous êtes dans le coin de Joliette, venez faire un tour là. Envoyez-moi gagner. Ouais. Cheers to that. Le 24 juin, Saint-Jean-Baptiste, on joue à Gatineau à l'extérieur. Gatineau, alright, Gatineau! Et c'est le combienième show de Saint-Jean qu'on fait? Deux. Deuxième, hein? Ouais, genre! On joue jamais. Non, mais sérieusement, on fait jamais ça, là. Hein? Non, on a fait le prix Saint-Jean au Medley. Le 20 juin janvier. On joue jamais. Non, je joue pas souvent. Ok. À Pierreville en 94. Ouais, je joue plus. Boisson d'avril joue plus souvent à Saint-Jean que nous autres. Oui. Ensuite, ça va nous amener au fameux show avec Grimmskunk. Il y a Sept-Îles aussi au mois de juillet. Parce que c'est vrai, Sept-Îles. Le festival du vieux quai de Sept-Îles, le 12 juillet. Ouais. Ça, ça va être très cool. Ensuite, ça va être le 27 septembre avec Grim et Karaté. À Joliette. On regarde pour le beat et betterave possiblement aussi. On check en novembre. Là. Ouais. Ben là, on n'applaudit pas parce qu'on n'a pas de confirmation encore. Fait que c'est ça les jours qu'on a. Pour 2019 à date. Bon retour. Ouais, c'est cool au bout. Faut vraiment que je mette mon agenda à jour. Fait que je pense que c'est la fin.
Hey, oh. Attendez pas qu'on finisse la game, en tout cas. Ouais, Yoshi, ensemble, on va gagner. On déclare ça un gagnant. Mais je pense que c'est bien ça. Moi, je suis passé de 3 à 2, il y a tantôt. All right. Bon, ben merci beaucoup d'être venus, les garçons. Merci pour la poutine, merci pour la bière. Ouais. Merci. Merci pour les beaux jeux. Et là, laissez le bon temps, je vous laisse. All right. C'est qui le prochain? Fait que ceux qui nous suivent, c'est cette émission, dans 2 semaines, ça va être les match-ups. On va faire la même affaire. La même affaire que Groovy. C'est quoi le jeu? On n'a pas encore décidé de jouer. On n'a pas encore de jeu. D'accord. Fait que dans 2 semaines, le 3 avril, je pense, ça va être les match-up. Okay, merci tout le monde. Bye. 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 Love you!